Mes frères et sœurs, chers membres du groupe Société de la dernière génération, chers membres de la grande famille de Dieu, bonjour, comment nous lever matin? Nous souhaitons une bonne journée avec Jésus et bonne participation dans la leçon pour matin. Rapidement, on va entrer dans la leçon. Leçon 11, attendre dans le creuset. Verset à mémoriser, mais le fruit de l'esprit, c'est la patience. Hier mardi, on était ensemble, David, une leçon d'attente. Mais je dis, on a vu Élie, le problème de la précipitation. D'accord? Hier, on était apprendre qu'il y a une patience ensemble avec David. Et David t'a montré nous que c'était un monde qui était une patience, qui attend l'intervention de mon Dieu. Mais je dis en après Élie lui-même qui t'ai fait face à un problème de précipitation. Et parfois nous parlons, à travers le son, hein, précipitation nous yo qu'on mettait nous dans un endroit qui est vraiment inimaginable. OK? Eh bien, il fait connait que l'affrontement au sommet du mont Carmel était ça t'est arrivé fini. Nous songe histoire qui était gain sur mont Carmel. Comment que t'es gain du fils dans ciel là tombé sur la terre, t'es gain holocauste qui t'est brûlé, et c'est là yo t'es venu connaître que c'est l'Éternel qui est Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie, c'est même qui c'est vrai Dieu, hein? OK, et t'es gain plusieurs faux prophètes qui t'est arrivé mourir, ya, et bien après affrontement ça. Et sur mon camel, t'es venu mon bagage qui t'es venu paraître. Son bagage que nous pas même arrivé qu'à penser. Pendant que Élie t'est arrivé grandi en force spirituelle dans la journée, ça, mais soudain. Il t'est juste tendu quelque chose qui t'est capable d'arriver faire peur. Il t'est voulu même mourir. Ici, on a ce qui fait que, nous pas lire ensemble 1 roi 19, verset 1 à 9. Pour nous, qui ça qui passe, qui ça qui dit, mes frères et sœurs. Parce que Élie, après une journée sur mon camel, Élie était grandi en force spirituelle, mais après un petit temps, bagaille a changé. Comment ça y est? Lorsque nous lisons dans 1 roi, chapitre 19, verset 1 à 9, le fait qu'on est que Akab, qui ça le fait, lui rapporter à Jézabel tout ça que Élie t'a fait et comment que lui était arrivé tué par l'épée tous les prophètes. Eh bien, Jézabel voyait un messager à Élie pour qu'il dise que les dieux me traitent dans toute leur vigueur, dans toute leur rigueur, si demain à 7 heures, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Attendez bien, mes frères et sœurs. Élie finit craser mental avec la présence de Dieu. Dieu fait tomber. Eh bien, il tuait les prophètes. Eh bien, il y a dit Jézabel comme ça, mais ça, Élie fait. Et puis, rapidement, Jézabel voyant un message à Élie, il voit un message pour Élie. Il dit que les dieux, ça a été dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, dans l'heure, ça, j'en aurais été fait prophète, tout simplement, feront ça. Et lui voir cela, et lui lever, et lui aller. Pour qui ça l'aller? C'est juste pour arriver à sauver la ville. Eh bien, lui arriver à Beersheba, qui appartient à Juda, et il le laissa à son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur de mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cuiche d'eau. Il mangea et but.
puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, entra dans la caverne, et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Mes frères et sœurs, Élie tendit nouvelle en mort, Élie paix, Élie tourmenté, Élie gouri, Élie parti. Élie vont côté demander la mort pour tête li. Et nous avons nous une histoire faite là, mais pendant qu'il a dormi, l'ange mon Dieu frappé, l'est levé, il vient manger, il mange, il vient de l'eau, etc. Bon Dieu fait provision pour Élie. Élie dormi encore. Eh bien, Élie vient manger. Élie vient assez de manger. Il fait 40 jours, 40 nuits, il a marché. Ok? Élie arrive sur Montala. Et puis c'est là, bon Dieu pose la question. Il dit, soit fait là, Élie. Qui soit fait là? Eh bien, nous après, Élie était précipité. Il est dans des nouvelles là qui s'est passé. Tête les chaud. Tête les chaud. Les peur. Et les chauds, les peurs, il va qu'on qui ça pour le faire. Hein? Il va qu'on qui ça pour le faire. Eh bien, après une intervention aussi puissante du Seigneur sur le mont Carmel, Élie aurait dû être plein de foi et de confiance. Au contraire, il courut dans la peur pour sa vie. Quelle leçon pouvons-nous tirer de ce mauvais exemple? Élie, imaginons, qu'il jouit de telle intervention divine sur la montagne, sur le mont Carmel, pour Élie, tant de nouvelles ça, pour Élie peur, pour Élie a couru. Hein? Pour Élie a couru. Quelle précipitation, mes frères et sœurs. Eh bien, histoire ça, lui-même, il illustrait quelque chose d'important. Lorsque nous nous précipitons, eh bien, nous sommes arrivés à un endroit que nous nous posons une question pour nous dire, wow, qui bon moi est là? Hein? Pour pouvoir peut-être qu'ils soient dire, mais qui bon moi est là? Ok? C'est que nous pas supposés à précipiter, mes frères et sœurs. Nous pas supposés à précipiter. C'est sa peur qui le pousse à être submergé et à se précipiter dans le désert, souhaitant qu'il ne fût jamais né. Mais il y a d'autres choses qui nous poussent à nous précipiter hors du plan de Dieu pour nous. C'est que, mes frères et sœurs, on vient ça avec une nouvelle que Élie te joigne, ça ne fait que les précipiter. Et précipitation, ça, t'es mené en droit. Peut-être que vous, bon Dieu, vous posez la question, vous lui dites, mais soit fait là. Quand on y a là, est-ce que c'est l'âme de choisir pour vous? Réponds-moi. Mais question ça, dit aller pour même tous mes frères et sœurs. Question ça, aller pour même Captain Dimla. Koto y a là, est-ce que c'est bon Dieu qui est là? Ou du moins, c'est précipitation. Et pensez, et question d'y aller pour avec vous même, lui disons ça. Qui ça va faire là? Dis-moi, qui ça va faire là? Alors, on ne peut pas dire plus, nous étions là. C'était Zamion, serviteur de Galette.